5 secondes. Attention. Drapeau vert, c'est parti. Terrible départ de Pagny sous la rivière à droite à gauche. Il s'est touché un petit peu. Et Pagny se tente en tête, évidemment. Bon, le départ d'Aurélien. Aurélien Pagny qui a doublé Berton. Terrible départ d'Aurélien Panis qui a déjà gagné une place. Benjamin Rivière attaque déjà Olivier Panis. Il est bousculé par Dubourg parce qu'il a calé. Et Franck Lagorce qui est calé, c'est le bouchon terrible. Ça va repartir. Ça va partir, c'est Nicolas Prost qui passe. Franck Lagorce ne peut plus partir. Il coince tout le monde, il essaye de reculer. Ouais. Toral essaye de passer, ça ne marche pas. Devant, derrière. Berton est arrêté, Panis aussi. Est-ce que ça repart? Berton fait une marche arrière. Et la gorge toujours qui bouchonne. La gorge complètement coincée, c'est bloqué. Il partira pas. Les deux électriques sont arrêtés. Je pense que est en pleine courbe, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des jaunes, c'est que des jaunes pour l'instant. C'est les jaunes. Oula, je sais pas où ils vont passer là. Non, moi non plus. Et il y a une roue qui est sur la piste en plus. Et du coup, Aurélien qui va percuter. Alors là, pourquoi? On met que des jaunes. Là, je ne comprends pas. C'est assez incroyable. Il y a un rouge. Il y a des rouges. Ils n'ont pas mis les rouges là-haut. Faut mettre les rouges. Voilà. Ça ne peut pas passer. Oh là là. Allez. C'est dément, hein. On avait demandé des drapeaux rouges. Mais nous, on est que speaker. Mais c'est compliqué en ce moment de faire la distinction entre les drapeaux rouges et les gilets jaunes. Quel départ terrible. Ouh là là. Oh, on a frôlé la catastrophe. Dubourg a tapé dans Panis, dans Aurélien. Alors c'est parti de Benjamin Rivière. Ouais, il s'est bloqué. Dubourg a tapé dedans. Il a rien pu faire. Donc Dubourg s'est coincé. Et du coup c'est Lagorce qui s'est coincé. Il a pu faire une petite marche arrière, mais après il ne peut pas repartir. Voilà. C'est vraiment pas de la faute de Franck Lagorce qui encore une fois un enchevêtrement de problèmes. Moi, pas avoir compris le drapeau jaune. Bon, écoute, ça peut arriver. Oui, c'est parti. Non, Patrice, non, c'est le... C'est le replay. Ouais, c'est le replay, là. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on est un peu perturbé, non. Ah oui. On regarde ce qu'on a à l'écran. On espère qu'on n'attend pas quand même. Non. Aussi. Non. S'ils vont chercher la pièce pas trop loin. Non, je parlais au niveau de la télé, je pense que tout le monde est prêt maintenant. Oui. Ça fait une demi-heure. Je peux pas te dire. Alors. Bon, allez, encore quelques secondes de patience, chers amis, et on va avoir cette vraie finale un peu hachée, un peu saccadée, mais c'est un sport costaud. C'est un sport costaud, le sport automobile. Il y a quelquefois des crashs, heureusement, sur l'Andros, ils sont très généralement, on va dire, non violents, ou en tout cas indolores, sauf pour les voitures. Mais bon, les voitures, elles sont un peu faites pour ça, c'est certain. J'en connais qui ont le sourire après le crash, après une mêlée enfoncée comme ça. Et si on avait des nouvelles, quand même, on saura exactement où on en est. Mais peut-être qu'il ne faut pas trop en demander. Il y a un moment où il faut se mettre en roue libre, en pilote automatique, et ne commenter que ce que l'on voit. Alors si c'était mon cas... Je suis dans le même cas. C'est la nouvelle, ça? Allez, là c'est bon. Là on est bon. Comment tu vois que c'est bon? Parce que c'est... Non, mais je vous confirme, messieurs, que c'est bon. Les voitures sont en gris, les panneaux évacuation de la piste, moteur et tout ont été présentés. On doit être à 5 secondes maintenant, je pense. Allez, drapeau vert, c'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, terrible départ de Panis, Rivière qui se range derrière. C'est reparti exactement comme tout à l'heure. Pas de problème. Avec Panis devant Rivière. Alors attention à cette épingle. Panis tout le long devant. Rivière qui va attaquer à l'intérieur comme d'habitude.
tout le monde prend bien large. Bien large, c'est bon. Voilà. Tranquille. C'est bon, c'est bon. Panisse, tranquille. C'est passé. Berton, tranquille. C'est passé. Incroyable. C'est bon. Incroyable. On est parti. On est parti pour 4 tours. Descente. Voilà, Rivière qui va essayer de se rapprocher d'Olivier Panis. Olivier Panis qui va essayer au contraire de décramponner Rivière, mais ça a l'air compliqué. Rivière est en grande forme. Attention, il freine très tard en bas. Panis est presque rattrapé par Rivière. Pas encore pour Rivière. Il est proche, il essaye. Pas encore, mais attention. Pas loin. Rivière, Panis, Rivière. Dans la montée. Rivière dans une forme extraordinaire. Panis devant, Rivière qui attaque. Attention à l'épingle là-haut. Il est sur Panis. Ça se touche pas, mais c'était chaud. Et du coup, Dubourg qui observe, qui lui doit se dire, surtout, je ne m'emmêle pas, moi je veux des points. Il ne faut pas que voilà, Rivière plus rapide que Panis. Ah oui, Rivière klaxonne. Panis là. Voilà, et quelle finale est en grande difficulté. À l'intérieur, il va y aller, Benjamin Rivière. Et il se bloque. Mais ça recommence. J'ai cru que ça allait recommencer. Il y a Dubourg qui fait ouais, non, pas là. Et heureusement que Dubourg était un peu décalé, sinon il était encore percuté. Ah non, mais incroyable. Oh, c'est fou. Extraordinaire. La bagarre de Rivière qui revient encore sur Panis. Ah, il a perdu une seconde, il essaie de revenir. Oh là là, il revient. Mais Rivière est terrifiant aujourd'hui. Il est extraordinaire. Il ne freine pas. Il est juste dans les roues d'Olivier Panis. Très proche derrière là. Attention en bas, il a essayé tout à l'heure, il s'est un peu bloqué, il a failli partir à la faute. Panis qui maîtrise parfaitement évidemment. Oui, pour l'instant, heureusement qu'il n'y a que 4 tours. Hein. Moi je tiendrai pas 8 tours. Ah, moi j'aimerais bien qu'il y en ait 10 là. Mais non mais je tiens pas là moi. Oula. Allez attention, non, il passera pas. Il passera pas ce coup-ci en tout cas. Alors ça va être le dernier là, hein. Ça va être le dernier tour très certainement. Le record c'est Nicolas Prost tranquillement derrière. Oui, alors ouais, bien joué. Il prend toujours un point en passant. Allez, dernier tour, dernière chance pour Benjamin Rivière. Aurélien Panis qui remonte. Ça attaque dur. Et dernière attaque ici peut-être. Non. Oh, tête à queue. Tête à queue, Panis. Panis. C'est Dubourg qui fait l'extérieur. Non, Panis qui recule. Oh là là. Il est reparti le Dubourg. Quelle finale de fou. Panis a reculé dans Dubourg. Oh là là. C'est incroyable. Voilà, le réflexe de Panis qui a dit non, tu ne passeras pas. Et du coup, Dubourg n'est pas passé. Et Panis va quand même gagner. C'est incroyable, s'il gagne, ça sera peut-être la victoire la plus formidable. Attention, c'est pas fini. Il y a Aurélien Panis qui est revenu troisième. La remontée d'Aurélien, quelle course. Incroyable victoire d'Olivier Panis. Voilà, une ovation. Une ovation pour Panis. La course de Panis. Olivier Panis, hippie-pip. Oh là là. Hippie-pip. La course de Panis. Alors, incroyable. Panis qui part à la faute. Du coup, et Dubourg qui essaye de passer, ça ne marche pas.